Son église a été fermée. Et toutes les démarches administratives ont été entamées pour que l'église soit réouverte, mais toujours ça n'a pas marché. Il fut un temps où il a dit, c'est notre Dieu qui est le Dieu qui brise tous les protocoles. Et rapidement, il est venu dans le camp ici. Lorsqu'il est arrivé dans le camp, il dit qu'il a fait une convocation. Et il a convoqué les gens de la tête jusqu'aux pieds. Peu importe l'identité de la personne, il l'a convoqué dans le camp ici. Et après la convocation, lorsqu'il est reparti à la maison, il était un jour là comme cela. Lorsque le propriétaire de cette maison, qui était aussi une autorité, ou de ce terrain-là sur lequel se trouve son église, qui était aussi une autorité, l'avait appelé, l'a dit, « Pasteur, va réouvrir ton église. » Il était étonné, mais puisque ce dernier a insisté, il est allé et il a réouvert l'église. Et depuis ce temps, tout marche bien dans cette église. 3 semaines après la réouverture de son église, il a vu dans le rêve où l'homme de Dieu, Paul d'Ojinumovi, lui disait, « Pasteur, c'est maintenant même que tu vas travailler. C'est maintenant même que tu vas rendre ministère. » Et dans ce rêve-là, Bruce May s'est réveillé. Et lorsqu'il s'est réveillé, aujourd'hui, il observe un changement radical dans son ministère. Il observe une grande onction dans son ministère. Et ce soir, il est là pour témoigner sa reconnaissance à Dieu et remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits accomplis dans sa vie. Quelqu'un acclame très fort Jésus pour la vie du couple. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Voilà. En réalité, ce n'est pas l'homme de Dieu qui est venu, mais c'est le ciel, c'est Dieu qui a juste pris son image. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yo ama wa e doganganu. Ni jimo na mino mi ke no mi ase. Mhm. E magbe do ape no Yehowa. Mhm. Ni Yehowa ma wa no ngo. Ani jini meche e asukwe e jiji nkoto. E do de dele de jilonu o. E va ji ame veto. Ame veto lo ti e va ji o. Gbogbo ito ele sigbemo gbonri do hani yo nu no mo gbonri yo oido to pe o do to o de mo nje do menwi de o haleluya e jila ele an keke eku ei e va ji a metonto e fulo ti ye e fon ti te ku de gbo yo to gbodo dada mawu ti a so ni de ya no mi gbo de so ya so joni Tu vas dire, amène ton tola. Et au soir, ça y est, bâtiment, les doteurs, oui. Doteurs, nous, moi, et d'autres, les désirs, nous, moi, et du coup, les cas, et il est chi. Alléluia. Nous, y'a moi, du coup, les cas, et d'y amène, veille, non, à mer, bétochia. Ah, oui. Doteurs, moi, et du coup, les cas, et il y, moi, d'autres, il faut faire, oui, quoi, moi, dans le cœur, et il. Béni de Giloto. Tcho noa, do portable di yin seo. Côte d'Ivoire yole. Tcho noa, le portable di yin seo. Yun no yoa, ma oma yoa. Ndawe pocheo. Nawe pogo. Non yu pomo minu le lage, non yu popo no giano le to. Nching po. Isa tok, but the dada no. To de twelve gan avadi avatenu. Eh, na ke portable kinyo, yu po. Il met gants, il est wawa, croisade de. Hey, hey, vous dire, alors Togo le fia. Au moins Togo. Lui à Nigeria. Oui, vous tout mettez au Ghana Godou. Alléluia. Oh, moi, Côte d'Ivoire. Nous Côte d'Ivoire. Eh, bon, moi, on dit le Ghana va Godioré. Elle a tenu Niger. Kara. À Togo. À Togo. Ah. Benet, Benet, t'as mouni aoré. Là. Togo est de Kara. Et yo vole ka, moi yo vole ko ple. Et yi, me gankpon yo vole ko ra chele, doto we,
inu no mo na ya ele so asova pove enu no yun po ni mo ti o va va pove la e do va vo no me galo yo vo lo to zoni zonzon yun mo ye ho amau no yun po mo e do ale mi o me yubo I wa so ran yo vo to me ya yin yo vo to me wa ida do le gan yi e do va le yo vo yo ri va me yubo to me ye o ye ho wa ye yo do lo de Desitere, non ava sere, e ti ame vede, le noji mani. Alleluia! Alleluia! Do onu nomo e jilo, de ka o, kono gbong mo dome, de ka o, yes, when iti. A o, a jofi, kema jofi to yon? A jofi to yon, nyo chi yovo onu yon, yon, e joto onu yon, yon, yon. Alleluia! Devia yon, devia yon. Devia yon. Aha. Et tiens, on a déjà ni papa le non télémené. Eh ben comment pour moi je fito et pour le de Kyle ici. Je fito. Alléluia. Et dit George on il non non va bosso Côte d'Ivoire alors gbérere. Na vale keke de avava doa pe non mau. Adidasé na mechi amasé. Ga o chi men lova aso onoke. Ni oko ya ile pe do araji ti ho amau wenu mi o. Ni mo mi ava ava do pe ya mi no mi o na pa ni ne to le mereji o ya nyamu ne po mo no eho amawo e nda pe o po gbede amen amen haleluya haleluya e gati yo vo ashe loji o e ni po mo sa nu si onu nyamedo mdo wa we eho wa wona Ewe kaka mpenye futa wu Nukama wanenga nyone Amen Alleluia Amen Mia nobe jani da siya jakwena mahu le utro ya labe Mahu ewa nugaona yi To le yivya pe akbeme Aloi mama yivya pe akbeme Be dadabi yile yibwa yivyi onye edesro Eyo edesro a ejivyi leka Vive gwa vajia Devya eto dolele bogbomu suna de via ya yo sebe egboki be doye kaka nyaji o le dokita obo ba nya tala danu kaka de via va ku eke de via kwa ye fima yo va to gbedu dura le be awo be maune ko ba siji ne wa tron ne vibu yi kela na gbele yo gbo eye ja tepia be yo connecte na kudo ma po ma be ministere chodo na gbera ye gbereka yo do gbedo mda kwa ma u ba vere e da via nu be ba fofu Eyo fofoa le gbedodora e ba jirevia. Eyo jia. O yi konji kwa o le globe alonu yi wo fofoa ye wo kwa e ga ba le wo echa. Gbogbo mo le suo ko yi konji. Eye o do oxygen pre nu one. Wo nu dokita ba le globe dodo po yi wo yo po yo po be ajofito de kai le si. E la be dofito me veye be nyina. Be le kai le si ta be nu yi wo fofoa ye ka le wo. Ye yi tona ma ube au be e ya ya di. Il va gasser. Ne jofito de ka et le sia on me veille wo wo. Ta jibe jofito me veya. Ne bava. Le viabe podome. Et na tepia. Be bereka il va le suivre ma pa ma be do wo le kara. Ye be ma pa o le dit la seulement pa ma po yo vo le besro le don de besro ye yo vo le konji e klibo ye o kronu obo va toji le fi. Et na tepia e ke o vala ma o va yo dona yo vo be tozo le zozo. Ke ipo no na ibe ah yehowa namba ibo le dole alo africa to mo ibo le do nu we keke le africa alo mo ibo nigbaji ogulola o koko na yovo de ye yovo ba one vo do ba le yovo kaka ogulola yovo de o ko ba mo ibo ba nigbaji o ba po do yoya be de wo jo fito volia na devia oh hallelujah amen egbe ayi dora kwa le ba ji ji kwa devia po do yoyo amen ye jo fito e de blibo fifia devia le gbonyere Ele nyore kaka de via ya e no kokore asi kwa ejijoyo le ye mawu na yoa yo va be yo va di asi adapena mawu ameke we amen amen La famille remercie donc le Seigneur ce soir la maman qui vient de prendre la parole c'est juste sa fille qui est à côté d'elle et ici à côté de moi C'est la belle-mère de la sœur qui est au milieu. La maman dit, entre-temps, le Seigneur a fait grâce à sa fille, elle s'est mariée. Et après le mariage, Dieu l'a fait grâce, elle a donné naissance à un premier fils.
Et cet enfant était bien portant. Et plus tard, elle a donné naissance à un deuxième qui brusquement est décédé suite à une maladie qui se présentait sous forme de l'asthme. L'enfant avait des insuffisances respiratoires. Et après cela, la maman dit qu'elle continuait toujours à prier pour que le Seigneur donne un nouveau bébé à sa fille. Et toujours pas le ministère de l'homme de Dieu, puisque sa fille vit bien sûr en Côte d'Ivoire. Elle continuait toujours à prier, par intercéder en sa faveur pour que le Seigneur fasse un nouveau miracle. Dieu a finalement exaucé sa prière. Sa fille est encore tombée enceinte. Elle a donné naissance à une fillette ou à une fille. Et le même mal qui avait tué son grand frère, ce même mal-là est arrivé aussi à cet enfant qu'elle a actuellement dans sa main. L'enfant présentait des insuffisances respiratoires. Et après les examens à l'hôpital, il a été révélé qu'il y avait une malformation au niveau de son poumon. Et malgré les traitements, il n'y avait toujours pas de changement. Et c'est là, un jour, elle était en train de suivre le ministère de l'homme de Dieu sur la JES TV. Et dans le ministère, elle a vu que l'homme de Dieu était dans une campagne d'évangélisation à Kara. Et lors de cette campagne d'évangélisation, il y avait une femme, un blanc, et sa femme qui était venue à cette campagne. Et l'homme de Dieu disait qu'entre-temps, le blanc était paralysé. Et il a conseillé la femme d'amener son mari dans le camp ici. Et effectivement, lorsque ce dernier est venu dans le camp, par la prière, il a reçu sa totale guérison. Et c'est là la maman s'est dit que si, qu'auparavant, lorsque les maux se compliquent en Afrique, on envoie ces gens-là à l'Occident ou à l'Orient pour se faire soigner. Mais si ce blanc-là a reçu sa guérison ici, elle est convaincue que sa fille aussi ou sa petite fille aussi sera complètement libérée de sa maladie. Et elle continuait toujours à prier. Il faut dire que par le ministère de l'homme de Dieu, l'enfant qui était souffrant, l'enfant qui avait une malformation au niveau de ses poumons, la malformation a été complètement corrigée. Le Seigneur a guéri son enfant. Aujourd'hui, sa petite fille est bien portante, sa fille aussi est bien portante. Ce soir, elle est là pour remercier le Seigneur, celui qui a levé sa main et a complètement libéré sa petite fille de cette maladie. Quelqu'un acclame très fort Jésus pour la vie de la maman. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Ndibe madak bena mawu le utroya. La bena mawu yiram. Nous sommes le 2 décembre. Temple moye yereka. Be masono yi. Masono kusinyo. Enuya eke gba onku nama. Sronye wana dole sika. Fifia ogba so hunde so daru ame duame. Be on le voit ventre en jachère. Fifia, on a gagné 9 millions citoyens. Fifia, on a gagné. On va se faire un peu de temps. Vendredi, mais on va se faire un peu de temps. Nena ne huwa chambasu miasi kwa yemi ho mi bajo ke mi bajo wa ba so huwa dare wa ke go na me pri le doa me americana 1,500,000 sonya na 830,000 fifia 1,500,000 toa e ye du huwa ke ba du huwa fifia wa le gbo bo be na o na 5 jours be wa so tu fin ka mi wan te po ga ho ga so na wa Fifia, on a 3 soirs où son état. 9 millions, mais on a plus 830,000. Hey, hey, hey! Et on a un peu de temps, on a un peu de temps. Oui. Moi, je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. La maman remercie donc le Seigneur ce soir. Elle dit que par la prière dans le camp ici, le Seigneur l'a aussi fait grâce.
Et par la bénédiction qu'elle a eue dans ce camp, elle s'est acheté une nouvelle moto le 2 décembre dernier. En plus de cela, son mari travaille à Sika Toyota. Et à la fin de l'année, un véhicule a été mis en vente aux enchères. Et elle dit que le prix du véhicule s'élevait à 9 millions. Et le concurrent de son mari avait donné 1 600 000. Mais son mari, lui, l'a juste parlé de 850 000. Ah, plutôt 830 000. C'était l'argent qu'il avait. Et celui qui a parlé de 1 600 000, lui, à la dernière minute, il n'a pas pu réunir les conditions pour entrer en possession de ce véhicule-là. Et finalement, le véhicule... Ah, la maman dit, dans cette affaire, elle était venue dans le camp ici un vendredi ordinaire. Et elle a prié. Et avec cette requête de prière, elle a sérieusement prié, elle est retournée à la maison. Elle est repartie à la maison. Finalement, celui qui disait qu'il va acheter le véhicule à 1 600 000, il n'a pas pu réunir les conditions, les moyens pour prendre le véhicule. Et finalement, le véhicule a été remis à son mari. Et ce véhicule-là, qui coûtait plus de 9 millions, son mari l'a acheté à 830 000 francs. Et ce soir, la maman est là pour témoigner sa reconnaissance à Dieu, celui qui s'est ainsi manifesté dans sa famille. Acclame une fois Jésus pour la vie de la maman. Amen. Amen. Vous êtes bénis. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. 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 Amen. Amen. Et j'ai gagné le jom le troya. Be ma dida se ma dak be na ma ou. Et la be ma ou plom. So 2023. Kaka va kere 2024 mea. Amen nou veve e onye. Amen nou veve. Yen va be ma va dak be na ma ou. Ye eve gwanyi be na. Ou le tia ma sire ke em le wole toya diye ya. Omu yon be na jok bovore ke jore sonye di yo. Pe jok bovore ke jore nye pome di yo. Ma ou po nye pome ata. Ekpos ronyeta américain tom de le mia domeo ale emi le mi je 2023 gomea nene mi le mi ba we 2023 no ewa e ataji kanre jombe ma ba da pe na ma huru ameni veve ata ne ma upo opule opo meta américain tom de le mia domeo wa amenu veve onye e ataji jombe ma da pe na ma hulo amen amen alleluia amen. La maman remercie le Seigneur, elle dit que Dieu a pris soin de sa vie. Dieu a été avec elle depuis le début de l'année 2023. Le Seigneur a été avec elle jusqu'à la fin de l'année 2023. Elle tient donc à témoigner toute sa reconnaissance au Seigneur. Elle dit qu'elle passe pratiquement 9 mois dans le camp. Et depuis qu'elle est ici, on ne l'a pas appelée pour dire qu'un malheur a frappé un membre de sa famille. Toute sa famille est aussi bien portante. Ce soir, elle est là pour témoigner toute sa reconnaissance à Dieu, celui qui a pris soin d'elle-même et qui a également pris soin de toute sa famille. Quelqu'un Amen. Acclame Jésus pour la vie de la maman. Alléluia. Amen. Church, praise the Lord. Alléluia. Alléluia. The Lord is good. All the time. En fait, ce que je voudrais dire, peut-être ça vous fait un peu rire, mais c'est un peu la vérité. Avant la séance, le mardi, le 25 qui était le lundi, j'étais rentré dans la brousse pour faire une petite prière. Mais je voulais sortir, mais l'esprit m'a toujours retenu. De prier. Je priais toujours. Jusqu'à ce que je me suis endormi. Vers les 14 heures, je suis sorti de là-bas. Je suis venu me laver et puis m'habiller. Et puis quelqu'un me dit, il faut sortir, te balader. Donc je baladais jusqu'à arriver chez maman. J'ai traversé un peu, puis il y avait une femme qui vend du soja à côté. Je me suis assise là-bas. Au même moment, je voyais un monsieur qui était un peu ivre. Mais il vit, d'habitude, je le vois dans ce camp.
mais je ne sais pas qui il est. Car, alors qu'il est venu pour une mission particulière. Donc ça, c'est son boulot. Donc quand il est venu, il m'a appelé que Ivoirien. Je lui ai dit, mais vous me connaissez où? Il dit que non, qu'il voulait seulement me voir, me dire quelque chose de très important. Je lui ai dit que en sérieux, il a dit oui. Je lui ai dit, ok. Il a la femme qui vend du soja, m'a demandé, est-ce que tu lui connais? Il dit, mais je lui connais seulement. Je lui voyais, je lui vois toujours au camp, mais je ne lui connais pas trop. Donc je me suis levé et il m'a dit que de quitter chez la femme là. Et puis on a qu'à avancer un peu. Donc on avançait, on marchait. La toute première des choses qu'il m'a dit que moi je lui plais. J'ai dit, hein? Je te plais comment? De quel sens? De négatif ou de positif? Il dit de positif. Que je lui plais, que moi je suis très belle devant lui. Donc, quand il a dit ça, moi je me suis regardé de la tête jusqu'aux pieds. Je me suis dit que, mais, attends, avec toutes ces femmes-là qui sont dans ce camp-là et dans ce monde entier, tu n'as pas trouvé une femme très sexy. Et puis c'est moi qui est homme qui va te plaire. Ah. En même temps, je voulais paniquer. L'esprit qui à moi me dit non. Tout ce qu'il va dire, de le seulement écouter et tu vas lui suivre parce que je vais te montrer quelque chose. Donc je l'ai suivi, on marchait toujours et il continuait à chercher par tous les moyens pour me convaincre. Et il me dit que si c'est possible, même avant on en qu'à chercher une brousse quelque part, on fait la chose. J'ai dit, hein? Donc pour faire la chose, j'ai dit tout ce qu'il est en train de dire, j'ai dit qu'il n'y a pas de problème. J'accepte. On marchait toujours. Donc quand on était arrivé, il y a un coin, la voie, je ne sais pas, juste un coin pour sauter du grondon où il y a le sable rouge là. Et il me disait que tout ce qu'il va m'amener chez un de son patron et que tout ce que dont j'ai besoin, qu'il va le faire, son patron va le faire pour moi. J'ai dit, mais donc si le Dieu de Pauvé n'a plus de force pour résoudre mes problèmes, alors qu'il avait commencé à me dire, mais c'est que mes passés. Mais j'étais surpris de. En fait, j'étais un peu étonné, car c'était l'esprit du diable qui était lui diriger. Donc, en même temps, il a dit que si je n'ai pas de l'argent, qui va faire tout possible pour chercher des poulets? Et puis, ils vont partir faire des rituels pour que je puisse avoir tout ce que j'ai de l'argent. Je l'ai regardé immédiatement. Il ne sait pas, quelque chose lui a attrapé et puis il s'est tourné comme ça. Et il paraît qu'il y a un esprit qui entend lui parler. Et puis il dit que, Messie Ogbela. Et puis, en disant ça, moi j'étais étonné. Il dit, mais lui-là même, là, c'est qui au juste? L'esprit dit que tais-toi, suis-lui seulement. Je vais te montrer qui il est réellement. Donc je l'ai suivi, on a traversé le catholique qui est à côté. On a pris le chemin tout droit. Donc il était devant, moi j'étais derrière. Et moi je disais, Dieu, cet homme-là, je ne lui connais pas. Mais c'est toi qui lui connais. Mais comme tu m'as dit que de lui accompagner, je sais que tu seras avec moi et que tu me soutiendras. Donc on est marché jusqu'à arriver un vent dans une brousse encore. On est rentré là-bas. On marchait directement. Je lui ai demandé, mais homme, où est-ce que nous allions comme ça? Il dit que de me taire, qu'on va bientôt arriver chez son patron. Donc arrivé chez son patron, il m'a dit que de rester à côté, au bord. Donc je suis resté au bord et il est rentré. Et puis il s'est incliné à son patron. Moi, j'étais de l'autre côté de les observer. En même temps, son patron, il a entendu dire à son patron qu'il a amené quelqu'un. Donc, dès que le patron a soulevé la tête, le patron a soulevé la tête comme ça là, pour me regarder en même temps. Il s'est rebaissé la tête en même temps. Car le feu de Dieu, tu ne sais pas, c'est injecté comme une lumière dans ses yeux. Il n'arrivait même plus à me voir. À mon visage même, il a baissé ses yeux et puis il s'est mis en colère, soit disant à cet homme-là, que qui t'a dit d'amener cet homme-là ici? Que tu ne sais pas que, oui, il est là, que c'est un feu, tout son corps-là, c'est le feu seulement qui est dans son corps. Que qui t'a dit d'amener cet homme-là ici? Il faut le chasser, chasse-le immédiatement. Et il s'est mis à genoux en train de dire à cet homme-là, que son patron, que, mais tu m'avais dit d'amener quelqu'un, non? Mais j'ai amené cet homme, et puis tu le renvoies encore. Et le marabout lui a dit que le vaudou qui est en moi est plus fort que leur vaudou. Le marabout en train de lui dire, sans me regarder, puis il a dit que le vaudou qui est en moi est plus fort que leur vaudou.
Et immédiatement, il a demandé, ok, si je suis venu pour faire des rituels, qui n'a qu'à me demander si moi je bois du sorabi. Et le gars, il a dit que qui ne sait pas, qu'il ne m'a jamais connu, mais il ne sait pas si je bois sorabi ou pas. Mais comme son patron devait insister, il a dit que moi je bois du sorabi. Sans au moins me demander. J'étais là, en même temps, on dirait que je n'avais plus peur. J'étais resté concentré, le regarder. Et puis, le marabout s'est tourné, il a commencé à regarder dans la brousse. Il s'est tourné, il s'est mis au dos, et moi je regardais son dos. Il ne me regardait pas. Car il disait que quoi, tout mon cœur touche le feu, que où je suis là, que ce soit le feu qui est sur moi, selon moi. Donc, le monsieur est dégagé, on a commencé à marcher. Quand on marchait en même temps, il y a une colère qui est rentrée en moi, et je lui ai dit que ce soit ta première, ta dernière fois, tu vas m'amener ici. Mais je voulais retourner, l'esprit a dit que non, suis-lui encore. Ah, je commençais à lui suivre. Quand on marchait un peu, il a commencé à cracher de gauche à droite. Et j'ai dit que monsieur, es-tu enceinte? C'est comme ça que je l'ai posé là. Es-tu enceinte? Que ce sont les femmes enceintes qui crachent comme ça. Et il dit que, tu sais pourquoi moi je crache? J'ai dit non, que moi je sens. J'ai dit que ah, maintenant que ce que vous voulez faire, ça n'a pas pu réussir. Maintenant je sens dans ton nez. Dieu merci. Et il dit que tu sais pourquoi mon patron t'a rejeté? J'ai dit non. Que ce qui est en moi, que je ne sais pas réellement qui je suis, que ce qui est en moi là, que c'est le feu totalement. Le feu totalement, que c'est la raison pourquoi il ne m'a pas accepté. Donc on marchait, donc je lui ai dit que le vent dans lequel on est sorti pour venir là-bas, là, on n'a qu'à rentrer là-bas, il n'a qu'à partir me déposer d'où il m'a vu. Il a dit non, quand on ne va pas rentrer là-bas, je lui ai posé encore la question, là. On n'a qu'à rentrer, il dit non, quand on va prendre sous droit jusqu'à arriver au goudron. J'ai dit, il n'y a pas de souci. On marchait jusqu'à arriver au goudron. Il voulait encore me faire traverser l'autre voie. Immédiatement, je lui ai dit, non, on n'a qu'à prendre la voie qui mène au marché et puis on va rentrer dans le corner, le 6 mètres qui va chez le... Voilà, pour revenir. Donc, quand on marchait immédiatement, il paraît qu'il y avait des gendarmes, deux gendarmes, je ne sais même pas d'où ils sont quittés. Hein. Le premier gendarme est sorti et puis il dit qu'il a commencé à nous appeler. Mais quand je me suis tourné, il dit non, que ce n'est pas moi qui est en train d'appeler, qui est en train d'appeler le gars qui est à côté de moi là. Que c'est lui qui est en train d'appeler. Donc il l'a appelé avec une voix menaçante. Immédiatement, je ne sais pas où le deuxième là aussi était sorti. Et le deuxième dit que c'est lui là, la personne qui est à côté de lui là, que c'est lui que je veux. Et ils sont venus les attraper ici. Donc quand ils l'ont attrapé, il me dit maintenant que je n'ai qu'à partir au camp. Et puis le premier gendarme me dit que si je veux savoir réellement ce qu'il a fait, que je n'ai qu'à les accompagner. Donc quand j'ai fait mon premier pas, l'esprit me dit que si tu le suis, ils vont t'impliquer dans l'affaire. Donc immédiatement, le deuxième soldat m'a dit qu'il faut partir. Il faut partir, donc je suis parti. Au moment vers les 20-21 heures, on avait terminé la prière. Il paraît que, je ne sais pas ce qui s'est passé, il paraît qu'on l'a libéré. Donc quand il l'a libéré, moi j'étais parti, je voulais sortir pour acheter à manger. Il est dans le camp. Actuellement, il est encore dans le camp. Oui, il est dans le camp. Tu le connais. Si tu le vois, tu peux le connaître. Oui, tu peux le connaître. Oui. D'accord. Ce qu'on va faire, là, après le programme, tu viens nous voir aussi derrière. On va voir les discussions pour le moment. Finalement, toi, tu es revenu dans le camp. Tu es bien portant. Rien ne t'est arrivé, n'est-ce pas? C'est grâce à la prière que tu as fait le 25. C'est la raison pour laquelle tu le rends du monde. Alléluia. Alléluia. Fofo eglonya osugbo. Lo bi ba ga yeji fu. Amen. Amen. Nale nu barare le ya joreji. Le
Péadjima, Péadjima, le 25 décembre, Kakea, Bey, Kafi, Noa, le Joy, il va donc bera le bébé. Kébé a joué à Bobozi, il va donc bera le bébé. Il va donc bera le bébé, il va donc bera le bébé. Il va donc bera le bébé, il va donc bera le bébé. Il va il va donc bera le la mère n'a pas de problème, il va dire que le monde est un peu plus de couilles. Il va dire que le monde est un peu plus de couilles. Il va dire que le monde est un peu plus de couilles. Il va dire que le monde est un peu plus de couilles. Il va dire que le monde est un peu plus de ale be chief tobasime obe ba toji le fi la be munye fi be cho obe ivoirien benye benye fi ho obe ba toji voye ndela ba jomi ma nyawa e oba dunpe mawa mawu dele amo vodi obe asime oh amen ta mawu ne yira fofoa amen Dieu te bénisse. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ok, Eddie John, ciao, toi, à maman d'Ak Benamau, à la banque, à toi, à la bague, au 2024. Avant, mon beurre, non, j'ai dormi, va la séance que va y avoir. Pour vous, c'est ça? Avant, mon beurre, non, j'ai dormi, pour le va. Voilà, comme moi, va, que vous fournez coup d'adagne, ou pour ma va, ma beurre, beurre, y'a mes avants. À la bonne midi, chala, fio, mi, au pondo, du recou. Ah, mi va va. Que mi va va. Une fois, la première fois que je suis allé à la maison, je suis allé à la maison. 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 Je suis allé ye ele tchoti va mpo doyo ta na bo mna encourage bona mawola te wo ya subo mawo maler mauntio donc a comme ava mabo mawo bo mpo na ni mate choda huku bo e mo ve pada mi je mo va que mi va ah mi dona gbara mi ona ya to ke wo si an su ma to vai folia me ambo bo ni ma va to ya jiko a cho ono ni manya ko da sina mawo vo ni to cha problème la gbo na mo. Et mon tante Tido, 7 jours. Le tante Tido, mon business en ligne, il y a 2 ans, je marche encore. Le tante Tido, mon tante Tido, mon novio, je vais boire, c'est le cas, il va se tomber. Le tante Tido, je vais faire un peu de temps. 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 Attends, tu as quoi? Les mabots, tu as mais à non de valide à ce qui a un chaud. Ben, un mot bon, vie de quelque notion van à valide à ce tout ma dia la corgan gaon et un yon à l'embouma va dire à ce que mi va matin au bon à soir n'y a va donc à mon va m'a dit à ce volcan bon yava tu as dit que non y a pas d'or là un non y a pas dada fois si à cop l'on a y bena. Ne maui a mi ba mi subo na ni mau nya te pe kwa ne hona na nya ne te yo to a yo cha a je yo mo kan gba mi ba to aji donc am cho ya ma de asima na mau lo troya ba ne ni mau nya te pe le to a dia ma ka po ne ne no ni treni do mo a ala yo do ne na kan gba mi ya po mi amen yesu bon koma amen ni ti jo on troya ba ma ma da kuna ma amen 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 alleluia amen le frère tient à témoigner sa reconnaissance à Dieu et il dit qu'il est venu dans le camp ici suite à la maladie de sa mère. Au départ, il n'avait pas accepté d'accompagner sa maman dans le camp ici, mais par les conseils de ses frères et sœurs, finalement, il a accepté d'accompagner sa maman dans le camp. Mais avant même de venir dans le camp, ses cheveux étaient tressés sur sa tête. Mais le jour où il a décidé d'arriver dans le camp ici, il s'est dit non, qu'il ne va pas venir dans la maison de Dieu avec les tresses sur sa tête. Et c'est là qu'il est allé se coiffer avant de débarquer dans le camp. Et il dit, dès le premier jour où il est arrivé dans le camp ici, et l'homme de Dieu a rendu ministère, dès qu'il a vu l'homme de Dieu, il a été rassuré du fond de son cœur que l'homme de Dieu
est un vrai homme de Dieu. Et depuis ce temps, il a commencé par s'attacher à Dieu. Et il priait toujours dans le camp ici lorsqu'un jour, il a eu à l'esprit qu'il ne va pas toujours intercéder en faveur de sa maman pendant que lui aussi, il a d'autres problèmes, d'autres inquiétudes dans sa vie. Et c'est là, lui-même, il a décidé d'observer un jeûne et prière de 7 jours. 3 jours après ce jeûne et prière, le Seigneur s'est manifesté dans sa vie. Il faisait un business en ligne. Et toujours ce business, depuis 2 ans, rien ne marchait. Mais après ce jeûne-là, il a constaté que le Seigneur, à travers ce business, lui a ouvert des portes de bénédiction. Et 3 fois de suite, il a constaté ces portes de bénédiction s'ouvrir dans sa vie. Mais jusque-là, il n'était pas venu rendre témoignage. Après cela, il a constaté que les portes qui étaient ouvertes sont encore fermées dans sa vie. Entre-temps, il y avait une maman qui a rendu témoignage ici dans lequel elle disait que ne serait-ce qu'une petite chose que le Seigneur ait accomplie dans ta vie, fais un effort pour venir lui dire merci afin que ce qui reste, qu'il puisse l'accomplir dans ta vie. C'est là, lui aussi s'est dit que vu les merveilles que le Seigneur ait accomplies dans sa vie, il doit venir ici rendre témoignage et remercier le Seigneur. Raison pour laquelle ce soir, il est là pour dire merci à Jésus, celui qui s'est manifesté dans sa vie. Et il est convaincu que le Seigneur qui a commencé par ouvrir les portes de bénédiction dans sa vie, guérira aussi définitivement sa maman dans le camp ici. Quelqu'un acclame très fort Jésus pour la vie du frère. Clame très fort le Seigneur, fais-le fortement pour la gloire de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Prends cela. Alléluia. Oh, amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Certaines sœurs nous recommandent de remercier le Seigneur en leur faveur parce qu'elles sont venues dans le camp ici avec différents problèmes. Dieu leur a donné la victoire. Amen. Amen. Il y a une maman qui vit à l'Occident qui tient sincèrement à remercier le Seigneur. Elle est suite à un problème à l'Occident. Ses 3 enfants lui ont été arrachés. Et cela pour 3 ans. Et durant les 3 ans, elle a entamé les démarches nécessaires pour reprendre ses enfants, mais ça n'a pas marché. Mais finalement, elle a confié le dossier au Dieu de Kpove. Le Seigneur a exaucé sa prière. Aujourd'hui, elle est rentrée en possession de ses 3 enfants. Elle vit en toute tranquillité avec ses 3 enfants et elle tient à remercier le Seigneur. Elle avait fait un vœu à Dieu que si le Seigneur le faisait, elle reviendrait ici remercier Dieu avec 2 tonnes de ciment. Le Seigneur l'ayant fait, elle l'a fait et elle a envoyé le reçu pour témoigner sa reconnaissance à Dieu, celui qui l'a fait dans sa vie. Oh, amen. Amen. Que Dieu bénisse tout le monde. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Mao neira made. Que Dieu bénisse quelqu'un. Il est temps, nous allons écouter la parole de Dieu et prier. Comme dit depuis la matinée. Oh, amen. Comme dit depuis la matinée par la maman, que si le Seigneur nous fait grâce, notre cher papa sera au milieu de nous ce soir. Le Seigneur nous a fait grâce, il est là au milieu de nous. Que ma
Alors Dieu va donc l'utiliser pour changer ton histoire. Nous sommes le premier vendredi de l'année. À la première soirée dans l'année 2024, tu recevras quelque chose maintenant même. Alors en ce moment, Dieu passera par son serviteur, celui qu'il a oint et établi. Je veux bien nommer le serviteur Numavi Doji. Doji Paul. Paul. Pendant qu'il se lève, reste assis et acclame fortement Jésus. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Agape. C'est Jésus est le roc solide. Tenons-nous là-dessus. Jésus est le roc solide. Oh,
Veuillons nous asseoir. Papa, Père, nous te remercions. Tu es le Dieu de grâce et de protection. Tu nous as protégés par tes mains. C'est toi qui nous as encore amenés à ta présence. En tant qu'un bon père, tu as un message à l'endroit de tes enfants. Papa, Père, toi-même en personne depuis le temps passé, ce sont des hommes que tu utilises. Tu as encore vu les moindres des coups que tu veux utiliser. Pas parce que nous sommes bons, mais à cause de ta grâce. Père, merci. Il est temps qu'on parle. Papa, Père, nous sommes à l'écoute. Passe par ton serviteur et parle à ton peuple. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais tout Jésus dit dois en amour va me vivre les miago les plantacle amiyukata les toi dit ou toi mais tout Jésus dit dois en amikata. Par le Seigneur Jésus, je souhaite la bienvenue au révérend homme de Dieu ici, sur l'autel, dans la foule. Et vous tous qui êtes dans le camp, je vous souhaite la bienvenue. C'est une grande joie pour moi que Dieu a conduit toi et moi, nous sommes vivants et nous sommes entrés dans le nouvel an. Les problèmes ne finiront jamais ici-bas. Mais la seule chose qui s'y trouve, amen. Jésus nous déclare qu'il a vaincu le monde. Amen. Si nous arrivons à sortir d'un problème et un autre se présente devant nous, nous avons un vainqueur qui nous accordera toujours et toujours la victoire. Les épreuves de ce monde-là sont comme quelqu'un qui fréquente et qui est dans une école. Lorsque la personne réussit de la classe où elle est, elle monte dans une classe supérieure. Nos épreuves. Amen. Nous devrions sortir d'une épreuve avec victoire et être rassurés que puisque Dieu nous a donné victoire dans ce problème, dans cette difficulté, nous sommes rassurés que la suivante aussi aura sa victoire. Alors cette nuit, nous allons prier. Je crois bien que tout le monde s'est déjà préparé afin de prier
pour ces problèmes. Permettez-moi, ici c'est un camp de prière. Nous ne faisons que prier quotidiennement. Amen. Amen. Quiconque porte un fardeau et tu as la plante de tes pieds dans ce camp de prière, je te rassure que Jésus te donnera la victoire. Je vais vous supplier grandement. Lisons dans l'évangile selon Jean. Johannes Bagbale, et ton lia, fille à Amédo chapitre. Ta, Jean chapitre Medo chapitre. Jean. Johannes Bagbale et ton lia. Verset 1 et 2. Medo chapitre. Alors, ce livre n'a pas de chapitre. Trois Jean, verset 1 et 2. Amen. Alors, nous lisons dans la troisième épître de Jean, chapitre et verset 1 et 2. Verset 1 et 2. L'ancien Agaüs, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Ayenye agbalesike apostolo Johannes ngulododa hammegagayo. Alors, telle est la lettre que l'apôtre Jean a adressée à l'ancien Agaüs. Et il leur disait qu'il leur adresse ses salutations. Qu'il souhaite qu'il prospère à tous égards et qu'il soit en bonne santé comme prospère l'état de leur âme. Amen. Amen. Alors, souhaiter la prospérité, le bonheur pour quelqu'un, cela ne date pas de nos jours. Parce que dès que nous sommes entrés dans le nouvel an, on s'est souhaité les vœux les meilleurs, une heureuse année, année de prospérité, et nous disons que nous voulons la santé. Une fois qu'il y a la santé, tout est garanti et la prospérité aussi, on l'aura. L'apôtre Jean parle ici et déclare: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Alors, quand on parle de prospérer à tous égards, cela veut dire que cette déclaration inclut toutes choses. Alors, tout ce que tu entreprendras ici-bas comme projet, l'apôtre Jean déclare que tu prospères à tous égards. Petro, Johannes, Andreo, Jacobo,
Alors je voudrais dire l'apôtre Pierre, Jean, Jacques, André, les auteurs de ces livres ne vivent plus aujourd'hui. Et Dieu nous a mis à leur place. Et je vous disais tantôt que nous venons d'entamer la nouvelle année. Amen. Je te demande la prospérité à tous égards. La prospérité à tous égards. Amen. Tout ce que tu entreprendras cette année te sera prospère. Alors tous les enfants de Dieu qui me reçoivent cette nuit. Amen. Dieu te rendra prospère à tous égards. Si tu m'entends, reçois la prospérité dans ta vie. Nous allons prier d'ici peu. Alors, chacun exerce de différentes activités. Est-ce serviteur de Dieu que tu sois? Est-ce agriculteur que tu es? Est-ce éleveur que tu es? Est-ce commerçant que tu es? Tu as un grand diplôme, mais malheureusement, tu traînes toujours le chômage. Et tu es fonctionnaire d'État. Alors, tu es un politicien. Quelle est la fonction que tu exerces? Pas une. Alors, tu prospéreras à tous égards. Alors, tout ce que tu entreprendras comme activité, y compris les élèves, les étudiants, la voix retentit et dit, bien-aimé, alors, quand on parle de bien-aimé, cela veut dire que ceux-là qui sont chers à l'homme. Amen. Vous êtes des personnes chères à Dieu. Amen. Et vous-même êtes également chers. Vous allez prospérer à tous égards. Oh, alléluia. Amen. Si tu ne prospérais pas avant, la prospérité va commencer bientôt. J'ai dit quelque chose. Petro là. Pierre. Était allé au niveau du lac pour prêcher, bien, pêcher du poisson. Mais en ce moment, alors c'était la nuit qu'ils arrivent à prendre beaucoup de poissons. Parce que les poissons montent au-dessus des eaux la nuit. Mais avant d'aller là-bas, au niveau du lac, avant de rejeter encore son filet, il a passé toute la nuit à pêcher. Il n'a rien pris comme poisson. Il a jeté le filet. Selon son intelligence et sa stratégie. Selon sa puissance et sa force. Il n'a gagné aucun poisson. Mais selon la parole de Jésus, il a jeté le filet pendant le jour. Les poissons étaient déjà descendus en dessous des eaux. Et lorsqu'il déclarait à Jésus, j'ai travaillé toute la nuit, je n'ai rien pris comme poisson, mais selon ta parole, je jetterai le filet. Lorsqu'il a jeté le filet et il a essayé de le tirer, il n'arrivait pas à tirer le filet normalement. Amen.
Je déclare cette nuit, notre prospérité ne dépendra plus d'une quelconque saison. Alors, lorsqu'on parle de la saison dans laquelle nous sommes actuellement, par exemple, il ne pleut pas. Il ne s'agit pas d'une saison pluvieuse pour qu'un agriculteur aille labourer la terre afin de semer du maïs pour attendre les récolter. Mais en ce moment, si quelqu'un sera au champ pour semer du maïs, on va interroger la personne si elle est normale. Parce que c'est la saison sèche. Et à cause de la sécheresse, on ne peut jamais aller faire la semence au champ. Même si on sème le maïs, il ne pourra pas germer. Et le soleil va le frapper. Et les grains de maïs vont pourrir dans la terre. Et Pierre a jeté le filet contre ses onges. Mais il a gagné plus de poissons que la saison normale dans laquelle il prenait beaucoup de poissons. Précieux de Dieu, écoutez-moi. Amen. Alors je dis, en fonction de la prospérité que l'apôtre a demandé ici, je déclare dans ta vie, ta prospérité va démarrer cette année. Et il ne sera plus question d'une quelconque saison. Si je m'exprime de cette manière, J'ai eu à rencontrer certains qui me disent déjà que lors des commerces de fin d'année, ils ont connu une mévente notoire. Et je leur dis, à partir de cet instant, il ne sera plus question de saison. Mais Dogo, yon n'a pas de nombre, yon n'a pas de nombre. Alors, quand j'ai rencontré ces gens de personnes qui se lamentaient, qui se plaignaient que lors des commerces de fin d'année, ils ont connu la mévente et cela les a beaucoup touchés et dérangés. Et ils étaient animés de soucis intenses. Puisqu'ils n'ont pas pu connaître la vente lors des activités commerciales de fête, jusqu'à quand ils peuvent écouler leurs marchandises. Mais il y a une parole qui déclare, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. Amen. Janvier à l'agneau wokata. Amen. Amen. Janvier à l'agneau wokata. Amen. Elle a même mené au mousse. Il est déjà. Amen. Jésus Christ, il est déjà. Amen. Alors, si tu m'écoutes depuis ta maison, dans l'avion, dans ton véhicule, partout où tu es actuellement, dans le camp de prière ici, dans ton service et tu m'entends, et peut-être tu as connu une faillite lors des activités commerciales de fin d'année et tu es animé d'un grand souci comme quoi le mois de janvier ne pourra jamais te donner un bon résultat, je m'en vais te déclarer prophétiquement que dans ce mois de janvier, tu connaîtras de gains, tu connaîtras de bénéfices et tu connaîtras de prospérité intense.
Pour cela que tout le monde m'entende, l'apôtre Jean déclare, alors après avoir connu la prospérité, et je souhaite que vous soyez également en bonne santé. Voici encore une richesse parmi tant d'autres. Afin que l'homme demeure en bonne santé, alors c'est une chose précieuse. Toutes les maladies dans le corps de quelqu'un, tu as bu des produits en vin, tu as bu des tisanes en vin, tu es allé dans les lieux de guérison en vain. Ce soir même, amen, tu chercheras ces maladies en vain. Tu feras le bilan de santé. Les médecins seront étonnés parce que tu as besoin de la bonne santé. Déclare à quelqu'un à côté de toi, l'Éternel Dieu déclare ta bonne santé cette année. Tu seras en bonne santé cette année. Que la bonne santé soit ta première richesse. Que cette déclaration prophétique impacte votre vie. Que cette déclaration prophétique impacte votre vie. Toute maladie dangereuse, elles vont partir pour toujours maintenant. Si tu es malade, Jésus viendra te guérir. Jésus te guérira. Jésus te guérira. Et donc, ma c'est à Tchikébek Bewa. Amen. Les maladies qui ne sont jamais guéries, malgré les soins médicaux, Jésus-Christ, par son ordre, va les guérir. Où que tu sois, tu m'entends. Jésus va guérir tout de suite même. Amen. Et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alors, comment est-ce que l'état de l'âme de quelqu'un peut prospérer? Alors, il y a trois choses qui forment l'être humain. Le corps, le souffle de vie et l'âme. Alors, le souffle de vie et l'âme ne sont pas visibles, mais c'est le corps qui est visible. J'ai eu à le dire lors de la séance passée. C'est un élément que Dieu a caché à nos ennemis et à toute l'humanité. Et on ne peut jamais opérer quelqu'un dans une partie de son corps afin de découvrir son souffle de vie qui lui permet de vivre. On ne pourra pas le détecter quelque part. Là où se trouve l'âme dans le corps de l'homme, on ne pourra jamais la détecter. Mais quand le souffle de vie de l'homme sort de lui, son âme aussi va directement vers son créateur. Et le corps reste ici-bas. Alors quand le corps prospère, et le corps mange à temps et à l'heure. Le corps mange à l'heure. Alors, si tu remarques quelqu'un qui maigrit, si la personne ne souffre pas d'une quelconque maladie, peut-être la personne ne mange pas suffisamment.
Ok, si la personne n'est pas malade, elle ne mange pas à temps. Cela montre que alors quand tu découvres un homme qui est en bon point, qui est bien portant, la personne mange et la personne serait en bon point. La personne est bien portant, n'est pas malade. C'est de même que notre âme. Alors, son repas constitue la parole de Dieu. Et ce que l'âme mange, son pain, c'est la parole de Dieu. Alors, si nos âmes sont bien portantes, elle serait en connexion avec Dieu. Et à telle enseigne que l'âme serait à l'aise. Alors, les trois éléments que nous venons d'énumérer, leur travail en collaboration permet à l'être humain d'être bien portant et en bien-être. Alors, si l'un de ces éléments ne fonctionne pas bien, l'homme ne serait pas en bien-être. Si un homme a des difficultés respiratoires, celui-ci ne pourra plus se tenir debout normalement afin de vaquer librement à ses occupations. Sache que d'ici quelques temps, le corps ira à même le sol. L'âme de la personne va le quitter. Et les trois éléments doivent être bien portants. Mais quelquefois, les méchants viennent attaquer notre âme au-dedans de nous. Alors, Amen. Alors, si l'apôtre Jean déclare dans ce passage que bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, les sorciers, les esprits démoniaques, des fois quand ils veulent attaquer quelqu'un, ils attaquent premièrement l'âme de la personne, commençant par la torturer, commençant par l'infliger des douleurs. Et quand ils finissent par attaquer spirituellement l'âme de la personne, le sort qu'on lui a jeté viendra physiquement dans sa vie ici, dans son corps ici. Et peut-être, ils peuvent facilement te tuer par après. Mais ce soir, la Bible déclare, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et cette année, si les sorciers, les méchants veulent attaquer ton âme, je m'en vais te déclarer qu'ils ne pourront pas. Parce qu'une parole déclare que je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Oh, amen. Amen. Ta avoula no nyao.
Les chiens peuvent te pourchasser dans le rêve. Les porcs, les serpents te pourchassent dans le rêve. Et tu vois même des démons qui couchent avec toi dans le rêve. Sache que ton âme n'est pas en bien-être. Alors, et si ton âme n'est pas en bien-être, cela impacte négativement le corps. Et quand tu ne dors pas profondément dans ta peau, ton corps aussi ne serait pas à l'aise. Et il y a toujours une bonne relation, une bonne connexion entre Dieu et l'homme. Il y en a qui n'ont jamais rêvé le ciel depuis leur existence. Ils n'ont jamais également rêvé des anges de Dieu. Eux, leur rêve, c'est des cauchemars dans lesquels les démons couchent avec eux. C'est des cauchemars dans lesquels ils sont pourchassés par des chiens. C'est des cauchemars dans lesquels les serpents les persécutent. Ils se retrouvent souvent dans des rivières, dans des eaux. Ils voient des fantômes et des démons. Cela montre clairement que ton âme se trouve dans la souffrance. Amen. Cette nuit, je déclare que le ciel va te délivrer de ces démons. Amen. Toi-même, tu connaîtras la prospérité à tous égards. Et tu seras également en bonne santé. L'état de ton âme aussi sera prospère. Mais si tu n'es pas dans la prospérité, tu n'es pas en bonne santé, ton âme n'est pas en bien-être. Et si l'un de ces éléments n'est pas en bien-être, sache que tu n'es pas au parfait. Amen. Les trois éléments que nous citons doivent être en bien-être. Amen. Connaître la prospérité dans tes projets. Être en bonne santé. Et l'état de ton âme serait en connexion avec Dieu. Nous allons prier maintenant même. L'Esprit de Dieu accordera un changement dans ta vie. Si tu m'entends de quelque part, lève-toi, déclare éternel. C'est toi le Dieu jadis. Tu avais opéré des merveilles jadis. Et tu es capable d'en opérer maintenant même. Dans la prière maintenant, la parole nous déclare qu'on connaîtra la prospérité à tous égards. Pour cela, je chasse l'esprit de manque de prospérité. L'esprit de récession. L'esprit de récession. L'esprit de récession. Priez maintenant même. L'esprit de récession. La récession manque d'évolution. Et le chômage manque de travail. La mévente. Les endettements. L'échec dans l'agriculture et l'élevage. Plus bagage à ces problèmes. Maintenant même. Machata brakata. Masoro bokotobro. Machekere beberebebe. Barakata karababe. Masubrakata kabraya. Orianta rababaya. Maserianda rabaya. Bonorobo chantele bebe. Makotobro kotokobro. Bonorobo sontorobo. Machekere beberebebe. Lenderebe seyandebe. Fifila. Maintenant même. Bok bok kokwe. Saint-Esprit. Bok bok kokwe. Saint-Esprit. Fifila. Maintenant même. Et nous majeji.
La récession. Ne potagba. Quel pli bagage. Ahedada. La pauvreté. Maunyakbebe nuola jejinami. La parole de Dieu déclare qu'on prospérera à tous égards. Sukuvinenya. Que tu sois élève ou étudiant. Et paye à mes résultats de l'agneau. Les résultats de fin d'année doivent t'accorder du succès. Mais donc, bénéficie-là. Priez maintenant, mais. Elle est autonome, maoué. Tu travailles pour Dieu. Maoudo à de l'aïnko. Là, ton ministère doit connaître une évolution. A joie ne donne à joie de l'agneau. Le commerce que tu fais doit prospérer. Donc, bénéficie-là. Maintenant même. Ma dans le nom de Jésus, nous avons prié. Veuillez dire amen. Je suis tellement fier de vous. Je voudrais que vous soyez plus fervent que ça. Je sais que vous êtes nombreux dans le camp de prière. Et c'est à cause de vous que je suis revenu dans l'impatience. Et je suis convaincu que vous recevrez quelque chose cette nuit. Pour cela, je vous en prie grandement. Déclare éternel. Ta parole nous déclare qu'on prospérera à tous égards. Mais les démons de tout genre qui se lèveront contre ma prospérité cette année. Prise à tous ces complots maintenant. Tout ce qui se lèvera contre mes projets cette année. Donc, bédafi, fi. Prie maintenant même. Ma cabra kata cabra. Bondere bébé bébé béka. Lokoto robo 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 boka. Lende kamba boriande bébéka. Chatarababarababarababo. Le katarababarababarababéka. Sondo robo 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 boka. Le keberebe chériane le bébéka. Gloria mbaboria ndele bebele bebeka. Zokande kamba bendele bebeka. Sondolo boboro 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 boboka. Sheri andolo boboria ndele bebeka. Lembe kamba boria ndele bebe. Gloria katara bababe. Mori andolo boboro boboi. Leria babara babara babe. Boka borobo shetele bebe bebe bebe. Lobo borobo poriyanele bebe beka. Lempambo konto robo borobo boboka. Shababara katakara babeka. Lembebe bebe 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 beka. Bando kambarande kande. Robo borobo 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 boy. Rebebe bebe 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 bebe. Rebebe bebe 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 bebe. Robo bo robo bo robo bo robo bo robo boy. Shakoto robo kante ketere bebe. Boria bebe bebe setere bebe ka. Loba bo koto robo shanto robo bo robo. Robo bo robo santo robo bo bebe. Leria babaraba setere bebe bebe. Gloria babaraba poria no robo bo robo. Gloria babaraba setere bebe bebe. Gloria babaraba setere bebe bebe. Gloria babaraba sokoto robo bo robo. Le maboria nele bebe 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 bebe. Robo bo robo sokoto robo bo robo. Le bebe bebe poria nele bebe bebe. Le bebe bebe santo robo bo robo. Le bebe bebe poria nele bebe. Makoto brakata kabrayande. Rakata kabrayabaya. Robo bo robo bo robo bebe ka. La récession, la souffrance, la pauvreté, le chômage, la mévente, les endettements, nous leur
plus haut dans le nom de Jésus. Mandodo bosu cabra. Projet yolasio. Les projets que tu as. Maunena wa vame le payame. Que Dieu les rende prospères et accomplis. Le Yesu Christo pencome. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oh, amen. Amen. Milekbedunda niabenu jojinam. Vous priez sérieusement et je suis fier de vous. Amen. Amen. Il déclare, bien-aimé, je souhaite que vous prospériez à tous égards. Amen. Alors, quand on parle de la prospérité à tous égards, cela veut dire clairement que la personne est en train d'exercer une activité et cette activité doit prospérer. Nous sinewona dogbeda na yo ben ko acho de mauba sime. Agbe Yehowa e ben nu la jejinam nu ya me wona nu ya du la jejinam. Alors, e du la yinko e du la nyu. Mentionne le nom ou les noms de tes activités que tu exerces et demande à Dieu qu'elles doivent prospérer. Priez de partout où vous êtes. Prie et confie tes activités à Dieu. O babara 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 ba O babara 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 ba O babara 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 ba Shakata rantolo bobolobo Gloria babara 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 be Le babo karababoriana la baba Le ria babara baboriana le bebe Gloria mamboria kandala babara ba Le bebe bebe boria le bebe santa la ba Gloria mama 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 ba Lo mo 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 Boca boriana la babara baba Le ria baboriana la babara ba Le bebe bebe santa la babara ba bo Lo kabara ba zente le bebe bebe Lo babo karaba zeta la baba Le bebe bebe santa la babara ba Lo babara ba sekete le bebe bebe Ima boca la babara baba Gloria baboriana la ba Shakata karaba ba yaka Gloria babo kataka bayandi Mi babo kane kataka baya Rebabara babondo lobo seka Raya kataka kataka Rababara babara babaya Robobo 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 Lebebe rebebe rebebe rebe Sonto robobo 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 Loka ne kataka ya Sende lebebe rebebe Rababara babara babara Rababara babara babara Robobo 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 Le babara 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 ba Le baboko robobo robobo Le ria babara babara ba Santo kamba boria ne lebebe ka Le bebe rebe 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 borobobo Gloria babara 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 ba Le bebe rebe santo robobo robobo Lo babo karaba boria ne lebebe Gloria baboria te lebebe rebe Shando lobo sakatara babara ba Rekete rebe 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 Robobo robo sokonto robobo robo Le baboria ne lebe santo robobo Gloria babo katara babara ba Le babara 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 baboria ne Robobo robo sekete rebe rebe Gloria bande rebe sante Libambo kamba bende Gloria kanta kababa Libambo lobo sente rebebe Leria kata kayabe Rabababababa Rakatakatakataka Sharabababababa Rabababababababe Rayantarabababu Rabababababababe Rakatakatakataka Santo robo pandere bebe Rababo kataka Rabababababe Ranto lobo borobo Rababe kataka yaka Le kande kambabeka Le rianda la babaraba Le ria kataka takababe Re babababababe Re ria babarababarababu Bando kambabarababe Rai kataka takarababe
Pando combo bobo bébé. Raba baba 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 bébé. Raba baba 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 bébé. Raka kaka raba baba bébé. Le bébé le bébé boriane. Mando kamba boriane le bébé. Le Yesu Christo pen kame. Au nom de Jésus nous avons prié. Esaya mi abe biabia ou kata avant menami. Cette nuit, toutes vos demandes vous seront accomplies. Alors, toutes les activités qu'exerce quelqu'un, au nom de Jésus-Christ, toutes tes activités seront prospères. Deuxièmement, il déclare, je souhaite que vous soyez en bonne santé. Déclare éternel toutes sortes de maladies dans mon corps, dans le corps de mon épouse et de ceux de mes enfants. Les corps qui sont présents, les organismes présents dans ce camp, qu'ils écoutent la voix de Jésus. Que les maladies plient bagage. Que les maladies dangereuses s'en aillent. Demain hôpital, après demain hôpital. Jésus te guérit cette nuit. Qu'il te guérisse cette nuit. Qu'il te guérisse cette nuit. Qu'il te guérisse cette nuit. Tu dois vivre en bonne santé avant de jouir de ta bénédiction. Déclare, Seigneur Jésus, que mes maladies s'en aillent. Que les maladies obéissent à la voix de Jésus. Qu'elles plient bagages. Toute maladie dangereuse. Maladie sanguine dans le nerf. Maladie dans les os. Maladie par envoûtement. Jésus te guérit. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Mais j'ai eu à dire la dernière fois alors, lorsque les surveillants des malades mentaux étaient venus me donner le rapport des malades mentaux guéris, parce que nous n'étions pas suffisamment à la fin de l'année quand ce rapport a été présenté. Très souvent, c'est en janvier, lors de la séance, que nous présentons de tels rapports. Parce que alors, certains malades mentaux ont obtenu leur guérison et ont eu à partager leur témoignage avec nous ici lors de la séance de décembre dernière. Et il y en a aussi de ces malades mentaux qui sont libérés de leurs cellules et qui sont en examination et sont actuellement dans la foule. Ces genres de personnes guéries ne font pas partie du rapport qui a été présenté dans le mois de décembre. Et depuis le mois de janvier jusqu'au mois de novembre, 176 malades mentaux ont été totalement et complètement guéris et libérés.
Amen. Yo mi da si o jona yo ba konta onana mi va me yo la modo me yo lo don po but abende wo gala me me nyue ha fi wa ba di da se ha fi wa da si wa wo mele me no vi o ma wu odo. Amen. Sans e kojire kemele e kojire kemele hi ke goni ame fi fi ya yo dona da vato alo fa de ka bla de ba andre vo aden a o ma po Nemau na mere wonde wa dape ne voa me jibe fifi ame yo ga potole babla mame ni pele obe de ka o bibla be na mere le veve sema wa se veve pri na mere le pojijo wa pojijo pri ame si ame le babla rete ye gbogbode obe wa wo ya o ma podo yo gbelegbede o ye o ga potole fu pepe me a ni pele obe veve sese ne webe mau ne nyo dome na o kaba ela ben nya me nya be unsene ke me glo yesu ne gbogbode be ma va me o ma podo yo ha yesu yala na wa podo yo. Mes chers, vu le rapport des malades mentaux guéris qui se lève à 176 personnes complètement guéries, libérées et qui sont déjà rentrées chez eux, il y a aucun hôpital de référence dans le monde entier qui puisse guérir un tel nombre de malades mentaux durant un an. Vu l'œuvre que le Seigneur a opérée dans la vie de ces malades mentaux, il est digne d'être loué, il est digne d'être célébré, il est digne de recevoir toutes les reconnaissances possibles. Sur ce, nous allons maintenant nous charger des fardeaux, des malades mentaux qui sont encore dans leur cellule, les démons de tout genre qui les empêchent d'obtenir leur guérison. Moi, je sais qu'il n'y a aucun démon qui soit plus fort, qui soit plus puissant que notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, qui a déjà guéri les 176 durant l'année passée, est capable de les libérer de leur maladie. Et la Bible déclare, quand quelqu'un est dans la douleur, que nous partageons la même douleur avec la personne. De même que pour celui qui est dans la joie, que cette joie soit partagée avec celui-ci. Pour cela, je vous en prie, déclarez éternel. Alors, quiconque se trouve dans un état de maladie mentale et qui se trouve actuellement dans leur cellule, que ta puissance descende dans ce corps, qu'elle aille guérir, qu'elle aille libérer, partout leur âme est déposée, que l'Esprit de Dieu aille délivrer, dit à Jésus de voler à leur secours, qu'il exerce sa bonté à ces malades mentaux. Priez maintenant. Jésus va les guérir dans leur cellule, va les guérir, que ta puissance aille les délivrer. Ceux qui ont eu à commettre des péchés, ceux-là qui traînent des maladies liées aux malédictions, quel genre de démon il s'agit qui les empêche d'obtenir la guérison et de reprendre leur sens normal. Peu importe l'âge de ces malades mentaux, Jésus va les guérir. Dans le nom de Jésus. Amen. Que les élus de Dieu disent amen. Amen. Si tu es béni, je t'en prie, déclare fortement amen. Nous allons encore évoluer dans la prière. Alléluia. Amen. La requête de prière pour laquelle nous allons maintenant intercéder,
Alors, c'est notre propre bonne santé. Amen. Que l'état de ton âme soit prospère. Amen. La santé physique et spirituelle est celui de l'âme. Si un quelconque démon serait encore en conflit avec ton âme. Amen. Que la puissance de Dieu conteste ce démon maintenant. Déclare les démons de tout genre qui sont en conflit avec mon âme, empêchant mon âme d'être en bien-être. Éternel, combat en faveur de mon âme. Arrache mon âme de leurs mains. Arrache mon âme de leurs mains. Arrache mon âme de leurs mains. Les mauvais rêves. Que la puissance de Dieu arrache ton âme de leurs mains. Masuka babababa. Le bébé le bébé ka. Que ton âme sorte de leurs mains. Que ton âme sorte de leurs mains. Que le Saint-Esprit arrache ton âme des mains des sorciers. Que ton âme ait de bonnes révélations. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Aidez-moi à dire Amen. J'ai eu à dire plus haut dans la prédication que certains n'ont jamais rêvé le royaume des cieux ou le ciel. Certains n'ont jamais rêvé les anges de Dieu. Certains n'ont jamais rêvé de bonnes adorations. C'est rien que des cauchemars liés aux démons, liés aux porcs, liés aux chiens, liés aux serpents qui les persécutent, qui les pourchassent dans le rêve. Pour cette raison, déclare Éternel, mon âme doit être claire. Mon âme doit être claire et propre. Pour cela, sanctifie mon âme. Que mon âme ait une connexion avec le ciel. Je ne ferai plus de cauchemar quotidiennement. Éternel, mon âme doit connaître une relation, une connexion avec le ciel. Moi aussi, je dois avoir de bonnes révélations. Mon âme ne sera plus jamais esclave à un quelconque démon. Dans le nom de Jésus-Christ, que les élus de Dieu déclarent Amen. Placez maintenant la main là où vous avez mal dans votre corps. Placez maintenant la main là où vous avez mal dans votre corps. Au nom puissant de Jésus-Christ, les maux de tête chronique, Jésus guérit cette maladie. Le gros cœur. Jésus guérit cette maladie. Akota. Maux de poitrine. Yesu yodoma. Jésus t'en guérit. Ekule anome. Tumeur dans tes seins. Yesu yodom. Jésus t'en guérit. Jimepua. Ta colonne vertébrale. Yesu yodoma. Jésus t'en guérit. Tago mevovo.
La sinusite. Yes, yotoma. Jésus t'en guérit. Et ta doigt me cesse. Les maux de tête violents. Yes, yotoma. Jésus t'en guérit. Adjigbodo. L'épilepsie. Yes, yotoma now. Jésus t'en guérit. Adoudouame. Le maladan. Yes, yotoma now. Jésus t'en guérit. Et tokoukou. La surdité. Yes, yoto. Jésus t'en guérit. Et jitetembedo. Le gros cœur. Yes, yoto mana. Jésus te guérit de cette maladie. Dame douame. Les maux de ventre. Angome. Les douleurs de bas ventre. Yes, yoto mana. Jésus te guérit de cette maladie. Le ovidi dame. Dans ton utérus. Fibrom. Les fibromes, kisses, les kystes ovariens, ne boulez yes, qui disparaissent au nom de Jésus. Abdomenu oblé, les organes de ton ventre sont complètement atteints. Aïkuo, insuffisance rénale. Yes, yotoma. Jésus guérit cette maladie. Alipoutome, les os de ta hanche. Sida, le sida. Hépatite. Les hépatites, diabète, le diabète, fibrome, les fibromes. Yes, yotoma onam. Jésus vous guérit de ces maladies. Tension bedolele. L'hyper ou l'hypotension. Gonococcie. La gonococcie. Yes, yotoma onam. Jésus vous en guérit. Adoudouame. Mal Adam. Adjigbodo. L'épilepsie. Emasi, la drépanocytose. Epoutome laome. Dans tes os, dans ta chair. Yes, yotomi. Jésus vous en guérit. Yes, yotomi. Jésus vous en guérit. Yes, yotomi. Jésus vous guérit. La paralysie des membres inférieurs. La paralysie d'un côté. La surdité. Adetutu. Le mutisme, bagba, la cécité, abikola mekeken, infection dans tout ton corps. Yes, yotoma onami. Jésus vous guérit de ces maladies. La paralysie des deux pieds. Lève-toi et marche maintenant. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Fils et fille, la médevem. Partout où quelqu'un a mal dans son corps, du sommet de votre tête à la plante de vos pieds, yes, you dormi. Jésus vous guérit maintenant. Yes, you dormi. Jésus vous guérit maintenant même. Miko doyoyo. Recevez la guérison. 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 Adjigbodo. L'épilepsie. Azéobédon. Maladie provenant des sorciers, des démons. Nouveau-bédon. Maladie liée au péché. Maladie provenant des Jésus-Christ malédictions. Jésus vous en guérit. La menace. Recevez la bonne santé. Recevez la longévité. Que les maux de dents s'en aillent. Dans le nom de Jésus. Toutes sortes de maladies du sommet de votre tête à la plante des pieds. Les médecins ont déclaré que les organes de ton ventre sont complètement atteints. Que Jésus te les renouvelle cette nuit même. La gonococcie. La chaude pisse. Tu urines avec du sang. Toi, tu souffres de l'incontinence urinaire nocturne. Tu souffres de l'hernie. Yes, yotoma onami. Jésus te guérit de sa maladie. L'impuissance sexuelle. Les mauvaises assurances. Yes, yotomi. Jésus vous guérit. Yes, au nom de Jésus. 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 Que les maladies s'en aillent. Que votre histoire soit transformée.
tous ceux-là qui sont venus avec des fardeaux de dettes, le célibat, le chômage, la stérilité, la stagnation, que Jésus vous accorde la victoire. Tous ceux-là qui me reçoivent cette nuit, et tu es venu avec un quelconque fardeau. Amen. Que Dieu te donne la victoire. Amen. Tu reviendras dans ce camp de prière afin de partager un grand témoignage. Au nom puissant de Jésus. De partout où vous êtes dans le monde, jusqu'au malade manteau, Jésus guérit maintenant même. Maintenant même. Vous qui me recevez, que tu sois dans l'avion, reçois la guérison. Que tu sois dans un navire, reçois la guérison. Que tu sois à bord de ton véhicule, reçois la guérison. Que tu sois à domicile, dans ton bureau, recevez la guérison. Dans le marché où tu es, où que tu sois, et tu me reçois maintenant même, que le miracle ait lieu dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Que les complots de tout genre soient brisés, les complots de tout genre au sujet de ta vie. Dans une minute, on déclare éternel que les complots soient brisés. Les complots de tout genre au sujet de ta vie, au sujet de la vie de ton épouse et tes enfants. Que les complots soient disloqués. Les complots contre ton emploi, contre ton travail, que l'Éternel brise à les complots, qu'il détruise les complots, qu'il brise à les complots, l'Éternel détruit les complots, spirituellement et physiquement, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Disons amen. Nous intercédons en faveur de tous les chefs d'État. Les chefs d'État que Dieu a aimés et il les a confiés des différentes nations. Éternel Dieu, nous te confions ces chefs d'État. De même, tous les ministres, sénateurs au Qatar, les sénateurs, gouverneurs aux ambassadeurs, tous les gouverneurs et les ambassadeurs, préfets aux maires, les préfets, les maires, députés aux, les honorables députés, Yehoamau, éternel Dieu, mille dogbeda, nous prions maintenant et nous te diplomate confions kata, tous les consuls et diplomates et kata, so les rois et les chefs traditionnels, y compris les soldats à divers niveaux, so kata, les missions, tous les soldats qui sont en mission, kata, les domna, les nyate, tous les serviteurs de Dieu qui travaillent pour toi dans le monde entier, dans la vérité, y compris leurs épouses et leurs enfants. Prions maintenant. Nous demandons la paix pour le monde entier. Nous arrêtons les crashs des avions, accidents de voiture, les accidents de moto, les naufrages des navires, les incendies des sociétés ou entreprises, que ta bonté vole au secours du monde, les pays dans lesquels il y a des bruits de guerre, que la paix regagne ce pays. Au nom de Jésus-Christ, amen. Les bénis de Dieu disent amen. Veillons nous asseoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, ne Yesu mi be wa pwena mi pwene.
Si vous voulez réellement acclamer Jésus, acclamez-le plus fort. Amen. 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 Me dive mi doctor. Écoutez-moi. Praise the Lord. Alléluia. Ebeno lo tao me le djibe nu kata ne je e jina mi nwe. Amen. Il déclare, bien-aimé, je souhaite que vous prospériez à tous égards. Amen. Amen. Toi, c'est rien que la récession dans ta vie. Malgré les projets que tu entames, tu te bats, mais c'est rien que la récession. Oh, que tu sois dans ce temple. Et la prophétie déclare, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Un démon empêchera ta prospérité. J'envoie le Saint-Esprit maintenant même. Qu'il te délivre de l'emprise de l'esprit de la récession. L'esprit de la récession. Que le Saint-Esprit t'en délivre maintenant. Où que tu sois dans le camp de prière, que l'Esprit de Dieu te localise et qu'il t'amène vers moi maintenant. Saint-Esprit, sors. Manifeste-toi. Ce dont l'esprit de récession règne dans leur vie. Fifi là. Maintenant même. Saint-Esprit. Sors, fifi là. Manifeste-toi maintenant même. Et nous majeji bek bobo. L'esprit de récession. Et nous majeji bek bobo. L'esprit de récession. J'envoie la puissance de Dieu. Qu'il délivre toi, cet homme, toi, cette femme. Toi, ce jeune homme. Que le Saint-Esprit t'amène vers moi. Que cet esprit manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Agis. 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 Saint-Esprit, agis. Agis. Agis maintenant même. Saint-Esprit, manifeste-toi. Partout se trouve quelqu'un. Et la récession constitue l'esprit qui le manipule. Saint-Esprit, maintenant même. L'esprit de récession. Nejo. Qu'il s'en aille. Nejo. Qu'il s'en aille. Agajo le toya yiko. Quittez encore ce camp de prière. Agato koni fafa. Et commencez par se plaindre. Fifi la. Maintenant même. Bakbakokwe. Saint-Esprit. Machanderebesa. Bandorobopoka. Alors, ceux dont leur âme souffre, toi, tu n'as jamais. Ceux dont leur âme souffre, que le Saint-Esprit vous amène. Oui. Voici l'atmosphère d'un grand combat qui s'engage. Sous la terre, l'Esprit de Dieu délivre les gens des fantômes. Cette atmosphère souffle maintenant. Kaka
jusqu'à la mer. L'Esprit de Dieu délivre les âmes de la mer. Alors ce vent souffle dans les forêts. Il délivre les gens aussi là-bas. Pour cela maintenant, Saint-Esprit, manifeste-toi. Oui. C'est dans les puissances familiales sont en train de jouer leur âme comme un ballon. Tu ne fais jamais de bons rêves. L'esprit ne fait que coucher avec toi tous les jours. Il n'aura plus le pouvoir de coucher avec toi à partir d'aujourd'hui. Que le feu le consume. Tu te vois dans les eaux, dans les rivières. Dans les rivières. Sur les montagnes. Dans les forêts aussi, l'Esprit de Dieu manifeste-toi dans le temps, agis dans ce temps, manifeste-toi dans le temps. Tu rêves très souvent que les voleurs sont venus te dérober dans le rêve. Les mauvais rêves ou les cauchemars. Tu rêves que tu es mort et ton corps est enterré. Alors qu'il n'y a aucun lien entre les morts et les vivants. Que le Saint-Esprit te localise maintenant, où que tu sois, la puissance de Dieu opère le miracle dans ce temps. L'esprit qui couche avec toi, c'est la dernière fois pour lui de coucher avec toi. Il ne pourra plus coucher avec toi dorénavant. L'esprit te parle très souvent à l'oreille de te déshabiller et de sortir de la maison. L'esprit veut jeter le sort de la dépression mentale sur toi. Maintenant, sors de cet esprit. Si tu ne pratiques pas la fornication, l'adultère, la débauche, tu n'es jamais à l'aise parce que l'esprit t'utilise pour la débauche. Maintenant, sors de son emprise. Dans le nom de Jésus. 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 Je prie maintenant pour vous, recevez votre bénédiction. Recevez vos bénédictions. Recevez vos mérites et droits. Recevez vos mérites et droits. Dans le nom de Jésus. 2024. L'an 2024. Soit prospère à tous égards. Dites amen. Déclare amen étant debout. Amen. Déclare fortement amen. Soyez prospères à tous égards. Soyez prospères à tous égards. Soyez prospères à tous égards. Amen. Partout tu passeras dans le monde. Sois prospère. Toi-même, ton épouse et tes enfants. Vous évoluerez. Amen. Amen. Assoyez-vous tout doucement. Amen. Amen. L'Éternel m'a dit,
Alors très souvent je déclare malheur à moi si Dieu ne me dit rien pour que je mente dans son compte qu'il m'a dit. Alors il m'a dit que cette année 2024, amen. Alors amen. Amen. L'Éternel m'a donné comme message de l'année, lui, qu'il a fait le sujet de rire à notre grand-maman Sarah. Il fera également le sujet de rire dans ta vie dans cette nouvelle année 2024. Ses enfants, ceux-là qui vont cheminer avec lui dans la vérité. C'est lui qui avait fait le sujet de rire à notre grand-maman Sarah. Amen. Qu'il fera le sujet de rire à quelqu'un également. Les corps qui sont toujours dans l'amertume. Amen. Dorénavant, ces corps connaîtront la douceur et la joie. Les personnes stériles. Il a déclaré qu'il se souviendra d'eux. Peu importe ce que les agents de santé ont diagnostiqué à l'homme ou à la femme, cette année 2024, l'Éternel se souviendra de vous. Veuillez vous asseoir. Oh, amen. Amen. Mais de coucou, mais amen. Amen. Malade.
Tous ceux qui souffraient d'une quelconque maladie avant de venir dans le camp de prière, tu étais paralysé, tu souffrais de l'hémiplégie, paralysie d'un côté, la cécité, la surdité, les maux de hanche qui t'empêchaient de te bercer comme il le faut, tu étais alité, tu n'arrivais pas à marcher, mais après la prière maintenant, tu te sens guéri complètement de ta maladie. Lève la main du lieu où tu es, on va voir. Celui que le Seigneur a guéri tout de suite même dans la prière, si tu te sens complètement guéri, lève la main, nous allons te voir. Tous ceux qui ont levé leurs mains, qu'ils sont guéris de leur maladie, avancez vers nous ici. Fia, on me so alo ton alo mena Yesu. Nebe ya pwa si pena Yesu ana pwe. Wa awaye la, mba waye. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La jeune dame que voici remercie sincèrement le Seigneur cette nuit. Elle déclare il y a environ 9 mois, elle souffrait des maux de ventre. Elle ressentait une entité bougeait fortement dans son ventre. Et lorsqu'elle a été à l'hôpital pour consulter les médecins, après les examens médicaux, les médecins lui ont déclaré comme maladie des infections dans l'utérus. Malgré les soins durant les 9 mois, elle n'a pas été guérie de sa maladie. Mais elle ressentait toujours l'entité bouger fortement dans son ventre. Mais dans la prière, tout de suite, après avoir imposé la main sur son ventre comme recommandé par l'homme de Dieu, jusqu'à la fin de la prière, elle se sent complètement guérie. L'entité qui bougeait dans son ventre a disparu. Le mal que les médecins n'ont pas pu traiter, n'ont pas pu guérir durant 9 mois, en un clin d'œil, Jésus l'a complètement guérie. Acclame-le très fort. Dada vinke ma wo na o Yesu yo dona don lele ke o ani do ani be do a ele nti wo le ti nene a lo fe nene o ani do a enwa eva neva ebuna vanyi so asigbe a bede
Amen. Alléluia. Amen. La sœur que voici remercie sincèrement le Seigneur cette nuit. Elle déclare qu'il y a quasiment 2 ans, elle a commencé par ressentir des maux de hanche. Mais entre-temps, elle a essayé de soulever un poids pesant, un poids lourd, qui a occasionné une déchirure au niveau de sa hanche. Et depuis ce temps, le mal est devenu chronique. Malgré les produits qu'elle a bu, elle n'a pas obtenu la guérison. Mais tout de suite, dans la prière, elle a senti l'Esprit de Dieu qui l'a localisé. Et à la fin, elle a remarqué que non, les douleurs de hanche qu'elle traînait environ 2 ans ont complètement disparu. Acclame Jésus-Christ, le docteur des docteurs. Dans lequel est ce va? Alibé dolele. Alibé dolentiwa, elle a no penene, alubretine nea. Maglombena 2016, y'a mlanya, coudre bena. Novigne et toi de cava et novovo, et va d'or plume, va. Au coudre bé et toi, bé viva d'or. Ok. Que Alia Todjina. Kofon ya Alia Todjio. Ok. Kebe Todjio nenea leke bewa nanao. Eve nam la kpa de ka leke. Kote ya leke ya. Ele si bende le menua zona la fome yina. Wa. O yi kondi kuya. Yimi yi kondi yo. O yi nou ofe wa. A o yimi ya fire kwe. O mzan de kwe neo. Yimi zan de kwe kwe neo. Wa. Ele diyo kengba ova. Ele diyo. Kemi ba dogbe da vifi ya leke o kakanya be ma uyo do. Kemi le dogbe da leke to do ramea. Kakeme kemi le blombe na. Blo ame be gwa. Blo ame do be gwa. Nanyi la zikpe ame. Mkwa be na zreka afwanye kwa kwa yi diya leke kwa. Afwanye le vibre. Le vibre. Yo kwa delivance. Ye. Oba ya nyidma. Mkwa ame kemi nanyi abe ma nga zikpe ya. Ye ndye kulo kwa. Mkwa be mva kwa delivance. Oba ya nyidma. Kwa ya nyidma kaka fwande. Ke mfwande mkwa be na veve sesa. Veve sesa ebu. Ongba le sendekno. Maten tro nene. On va te mettre dans le nez. Amen. 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 Alors, la sœur remercie sincèrement le Seigneur cette nuit. Elle dit en 2016, elle a rêvé que son demi-frère est venu coucher avec elle dans le rêve. Et après cela, quand elle s'est réveillée, elle a commencé par avoir les douleurs de hanche chroniques. Bien sûr qu'elle n'a pas été à l'hôpital, elle n'a été chez aucun guérisseur, elle n'a été non plus chez les gens de ce monde. Elle traînait les mêmes douleurs de hanche avant de venir ici cette nuit. Mais dans la prière, l'Esprit de Dieu l'avait localisée au point où elle a reçu la délivrance. Et après la délivrance, lorsqu'elle s'est relevée, elle a constaté que les douleurs de hanche ont complètement disparu. Elle est sortie cette nuit afin de partager son témoignage avec le peuple de Dieu et témoigner toute sa reconnaissance et gratitude à notre Seigneur, celui qui l'a libérée des douleurs de hanche qu'elle a commencé à traîner depuis 2016. Acclame Christ Jésus. Acclame encore Jésus, acclame encore Jésus.
Amen. Amen. Dan ke ma wo nao. Mde kuku. Pon pose sende. Mde kuku muni edo lele msovo. Nukele wo kengbo va. Va mama dogbera maso nyanyo na mawe. O be ya ba dogbera so enu o de ma obasi me. Nuke wo nao. Nuke wo nao. Mpona skuji. Mpona skuji. Yen ba ona ifimori. Okay. If ya kemva egbe kemi pa jiji do kemi atro reprendra. Il m'a trop reprendre avant que de rappeler au Troya. Laissez-le venir à quoi t'as dit, c'est que je sais, on a amené. Voyez, c'est un l'intigno. If y a, laissez-le venir à Camille, Camille Nania. Non, pas fia. Yé, le bébé, c'est ça, mais je ne sais pas, ben, quand on est, laissez-le venir à quoi t'as dit, le kema. Donc, Camille, pour la maouine, il va pour un peu bena, Amedo, avec un coup comme non, bena. Voilà, dame, bolé, l'homme. On donne à me le bol à l'homme. Vlavo, vlavo, le homme, qu'on a drôle, on peut y donner à la courant, tu vois. Vlavo, temps en temps, bavavana. Donc, allez, ma ouïe avec gamme, qui m'a gagné, c'est bébé la gomme, sous bois. C'est bébé la gomme, donc, allez, bédou de la gamme, qui m'a les doux, bédou, donc, qui m'a les zones fia. Baba, c'est bébé sous bois, la gomme, kakakaké, bohé. Et tu vas essayer de faire un peu de temps. À quoi tu as un moment, tu as un peu de temps. Et puis, tu as un peu de temps. 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 Tu as Okay, I'm on me. La sœur déclare que depuis un certain moment, elle rêve qu'on couche avec elle. Et lorsqu'elle est arrivée dans le camp ici, au cours de la prédication de l'homme de Dieu, quand il a commencé par toucher ses poings, elle s'est rappelée aussi de ces genres de rêves qu'elle faisait avant de venir dans le camp ici. Et à un moment donné, elle ressentait des douleurs dans son bas-ventre. Cet après-midi, lorsqu'elle était couchée et qu'elle s'est réveillée, elle ressentait des douleurs au niveau de la poitrine également. Mais jusqu'à la fin de la prière, elle a ressenti que le Seigneur l'a complètement libéré. Les douleurs de bas-ventre ont cessé, de même les douleurs au niveau de la poitrine. Acclame Christ Jésus. Amen. 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 Et pour nous, 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 Amèque les gnomes écoutent de la bête, pas y tobe vie, y'a beba ou nénéa, pour boyer n'y a be, Amèque les proches n'est ben koume bebe so, et on a néné. Bon, elle a ten nibe, Amèque, ou le poin, l'ouvre me fane, y'a n'a pas de ten pomme, on va sauver l'ouvre, sauver les blénou, voir Amè, amdouta me barade peninchio. Amen, voir Amèdeo léa, et drep badako ou kuna, mais si y'a bébé anela kou drep pas drep badaye. Amen. Munye gomeni ba merema kudre bara. Ah, munye me gomeni ba merema kudre bara. Gado mea ne futo do kuna wa maula defio. Ne oja jedo yo le do dolele na maula ten defio. Ola ten kode defia be amere ku vo maul defio be nado berabe ku ang bavame. Ola ten pe be odwa sidana maul do jina. Vo be siak be kwa. Et coupé droit pour avouer les gens et haler les gens et nier les gens et droit badabada au pays où on m'a coupé droit au accord maou dollar au accord de défi annuelé accord jipo accord yaira accord nuyé au dépé au nous on y a coupé droit par droit badakoué au kuna et bien Jésus doué dynam. Amen. Ne ni à d'agma tant que va bien coupé droit bien amené va deux bon et coupé fond quoi et ye ba pare ka to edudu ka ka be kho ani jo na ko be gbogbo wa ne dolele le gbododo me ke ye be dolele abe joso pia me le jijipo eso futogbo vo ne le jola gbo me ne tegba Isaiah Yesu du jina. Amen. Me de kuku gamenti mi maga ho mama ya ni ho papa gameta mama
Alors, lors de la prédication, tout de suite, j'ai eu à toucher ce point qu'il y a certains qui ne font jamais de bons rêves. C'est rien que des cauchemars, des mauvais rêves, peut-être dans lesquels on couche avec eux ou bien dans lesquels ils sont persécutés par certains animaux dangereux. Alors, la première sœur qu'on a reçue a parlé de son demi-frère qui est venu coucher avec elle dans le rêve. Et lorsqu'elle s'est réveillée, les douleurs de bas-ventre se sont enclenchées, suivies des douleurs de hanche. Depuis 2016, elle n'a pas obtenu la guérison. Mais après la prière, le Seigneur l'a guérie. De même que la sœur qui vient de regagner sa place, elle confirme que son époux, des fois, elle le voit dans le rêve couché avec elle. Ça peut ne pas être les personnes exactement que tu vois dans le rêve. Ce seraient d'autres démons qui sont en train de les instrumentiser, de prendre l'image de ces personnes pour t'influencer afin que tu ne connaisses pas réellement celui qui est à la base de ce mal. Et je suis en train de déclarer que tous ceux-là qui ne font jamais de bons rêves dans leur vie, et c'est rien que des cauchemars, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur a vaincu ces démons dans ta vie. Ce n'est pas que plus personne ne fera de mauvais rêves. Si les ennemis te planifient un accident, une maladie spirituelle, un malheur qui doit arriver ou qui doit arriver à un proche, le Seigneur peut te le révéler dans le rêve et tu le mettras dans la prière afin que la victoire te soit accordée et que la victoire soit également accordée à celui que le Seigneur t'a révélé. Amen. Fofo, ok, maou, now. Dans les lesquels pour nous posséder mais à dormir à l'enti ou à la non retine à l'offre n'est pas ma globe et capé quoi et bébé j'ai gommé les cas dormir à valer au bébé la home et qu'émile la home à mes gardes les n'a pas dû m'a filé donc à eva dombé m'avait plein de vanaille et noir plus prémis qui me l'est à améliorer son les moindres. Et drame, yo passa doye kaka o va le ndo afire o va so kakara o si adoye me kaka adoka vinye o keke moto le drame wa egbebe zan ayo le kudre o kudre n so kegbe n lo kegbe e doka yo vinye o keke o lo e so kore o si adoka vi oto o de oto o mu se va o de o pata to so kore e pe ajile fun o tro so afoye o luka me vele ti so do eklogbo e kale le yibo le hetiti e o tona be yen ma gba te ya fire pe o be ma ti fun e be a kem to asiro da zere ka mle amere be kome njiro e ka me vele le ye be kome le fie e ve gwa ke ya ja gba siti a e be a koko no via e ngba tro do asiro da ngba de be kan a me vele le ko to we chan e a do ma te ya kem siti a a do vele to bonan o so si zozo so kore jinye nene ye le kaka be va to te ko mi abi ha ye podo me fa podo ye me fa le ka to me ale duwa e ma te be be se si abu amen haleluya amen 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 haleluya amen le po mi afofoa vous avez suivi le frère
Et essayez d'imaginer un peu le problème qu'il a eu. Il a rêvé certains méchants qui l'ont éventré et ont arraché tout ce qu'il y a dans son ventre comme intestin et l'ont déposé à côté. Lorsqu'il s'est réveillé, il a commencé par avoir en même temps les maux de ventre chroniques. Je voudrais dire, j'ai eu à dire que certains, c'est dans le rêve qu'ils sont souvent attaqués. Amen. Alors, vous allez suivre tout de suite le frère dans son témoignage. Il déclare que depuis son village, là où il travaille, il a rêvé que quelqu'un l'a envoyé pour lui rendre un service. Et il a vu certains méchants qui l'ont attaqué. Et lorsqu'ils l'ont attaqué, ils l'ont éventré. Et ils ont sorti tous les organes de ton ventre, de son ventre plutôt, qu'ils ont déposé à côté. Étant réveillé, il a attrapé en même temps les maux de ventre chroniques. Les maux de ventre étaient tellement chroniques au point où il a quitté son village pour venir dans le camp de prière ici afin d'obtenir la guérison suite au rêve qu'il a fait. Et dans la prière, tout de suite, l'homme de Dieu déclarait que certains, leurs organes internes sont complètement atteints, que le Seigneur les leur renouvelle. Au même moment, il ressentait une chaleur intense dans son ventre. Et jusqu'à la fin de la chaleur qu'il ressentait dans le ventre, il a constaté que les maux de ventre qu'il traînait depuis le village avant de venir ici ont complètement cessé. Et dans le message, il disait que les sorciers, les méchants attaquent premièrement l'âme de la personne. Une fois qu'ils attaquent l'âme et infligent une maladie à l'âme, la maladie va se révéler physiquement. Ou bien ce qu'ils font à l'âme dans le rêve, c'est ce qui se concrétise physiquement. Et tu vas commencer par souffrir de gauche à droite, mais ce soir, rendons grâce à Dieu de l'avoir complètement guéri. Alors, si les méchants aussi, les sorciers, les démons ont souvent la même mise sur ton âme, à partir de cet instant, que le Seigneur mette le feu ardent dans ton âme. Et quels que soient les démons qui vont vouloir t'attaquer, que le feu du Saint-Esprit les calcine. Amen. Amen. Le monsieur déclare qu'il est enseignant dans la localité où il est. Les méchants l'ont attaqué spirituellement et ont arraché les organes de son ventre. Mais cette nuit, Jésus les lui a restitués. Amen. Si les méchants ont amputé un organe de ton corps avant que tu viennes ici, cette nuit, le Seigneur te l'a restitué. Levons-nous une minute et disons Éternel. Je te confie ton serviteur, Paul Dodji Numonvi, son épouse et ses enfants. Les ouvriers, ouvrières, leurs épouses et leurs enfants. Les différents comités qui travaillent en collaboration avec lui. Tous les complots.
que l'ennemi forme contre notre vie, contre le serviteur de Dieu et tout ce que nous venons de citer, ce camp de prière, les complots spirituels et physiques, que l'Éternel brise à leur complot. Tous les complots que l'ennemi aura à former spirituellement et physiquement, que le Seigneur brise à leur complot ce soir. Tous les complots que l'ennemi formera spirituellement et physiquement contre le serviteur de Dieu, son épouse et ses enfants. Les ouvriers ou prières, leurs épouses et leurs enfants, que l'Éternel brise à le complot des ennemis. Au nom de Jésus. Veuillons dire amen. Déclare une fois encore, Éternel, c'est toi qui as établi ce camp de prière. Alors, ce camp de prière et tous les besoins qu'il a, tu es prêt afin de répondre à ses besoins. Pour cela, donne la solution à tous les besoins de ce camp. Tout ce qui permettra l'évolution de ce camp de prière sur le plan spirituel et physique, tel que vous priez avec autorité pour vos requêtes, déclare à Dieu ce camp de prière et ses besoins. Tu es prêt pour donner sa solution. Tu es prêt pour sa solution. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aidez-moi à dire amen. Veuillons nous asseoir. Je rappelle que à l'endroit de tous les serviteurs de Dieu dans les quatre coins du monde, Le 19 mi japa mauba me to le 20 be we tromé samedi e ga vea mi ado gole to aji la fia acho ajodola cho ajodola nyunu do pe gano do kwisiji pola o aye mi ado gbeda de ame o katata be mau ne wonwe na o zire kake ye meye ha ho ala baba le 23 janvier miawo bedragan ta ne megblene ne mala e ke nya mere toa e chala jirado denti maune weben keke wa wa wonwe na mi. Nous rappelons à l'attention de tous les serviteurs de Dieu sur le plan mondial que le programme du séminaire de cette année, surtout ce mois de janvier, est déjà élaboré. Et c'est à partir du 17 janvier au 19 janvier. Le thème qui a été retenu pour ce séminaire, c'est les hommes de Dieu et leurs problèmes.
Les serviteurs de Dieu, bien sûr, qu'ils soient au service du Seigneur, ont des problèmes qu'ils ne peuvent pas aller raconter, dire à qui que ce soit. Mais le Seigneur, celui qui les a appelés dans son champ, est capable de donner la solution à leurs problèmes. Quant aux éditions passées, les serviteurs de Dieu qui étaient venus ici suivre ces séminaires, plusieurs d'entre eux ont obtenu la guérison de leur maladie qu'ils souffraient pendant plusieurs années. Plusieurs, leur ministère a connu une transformation totale. Alors, je rappelle encore que ce séminaire est organisé spécialement aux serviteurs de Dieu seuls. Si vous n'êtes pas serviteur de Dieu, ne participez pas à ce programme. Et le 20 qui sera le samedi à partir de 14h déjà, ce serait le séminaire des hommes et les femmes d'affaires, les PDG et les DG des entreprises de société. Nous allons prier de 14h à 17h afin de confier nos activités, nos projets entre les mains du Seigneur afin qu'il prenne dans cette nouvelle année un nouvel élan de prospérité et de bonheur. Et le 23 janvier maintenant, ce serait le début de la grande séance de prière qui serait la toute séance, ou la toute première séance de l'année. Alors que chacun cherche le programme qui le correspond, le programme qu'il doit participer pour ne pas confondre les trois programmes qui sont en cours dans le mois. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Écoutez-moi. Alors, qui sont ceux qui sont contents ce soir? Nous sommes tellement nombreux. Je fais partie de ceux-là qui sont contents ce soir. Parce que je suis ravi à votre égard. Nous allons remercier Dieu. Et que chacun de nous prenne un don conséquent en fonction de la position que Dieu a donnée à chacun d'entre nous. Et quand nous allons chanter tout de suite, cours en dansant avec joie et viens offrir ton sacrifice d'action de grâce à Dieu. Oh,
Amen. Amen. Que Dieu le Tout-Puissant bénisse les donateurs. Alors, l'attention de tous ceux-là qui sont venus dans le camp de prière, qui peut-être sont des malades ou bien des gardes malades, où vous êtes venus chercher la face de Dieu, vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus dans votre vie. Voici la belle opportunité, le bon moment pour vous de venir recevoir Jésus dans votre vie. S'il y en a qui sont ici et qui n'ont pas encore reçu Jésus, c'est-à-dire confessé Jésus, veuillez avancer. Vous avez un problème. Vous avez ou pas la guérison, vous avez obtenu ou pas la solution de votre problème, venez donner votre vie à Jésus maintenant même. Alors, fréquenter une église est différent de la confession de Christ Jésus. Vous pouvez appartenir à une quelconque religion, mais la confession de Christ est carrément différente et autre chose qu'appartenir à une religion. Pour tous qui êtes ici et vous n'avez pas encore reçu Jésus, vous n'avez pas encore confessé Christ, veuillez venir maintenant le faire. À cause de la honte, il y en a qui n'aiment jamais sortir. N'ayez pas honte ce soir. Venez, venez, venez recevoir Christ Jésus dans votre vie. S'il y en a encore d'autres, veuillez vous rejoindre à ceux-ci pour qu'on passe rapidement à la cérémonie de confession de Christ. Veuillez lever vos deux mains. Veuillez me suivre dans ces déclarations. Levez correctement les deux mains comme vous me voyez le faire. Levez correctement les deux mains. Dites, je crois que Jésus Christ, que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Il est mort pour moi. Et le troisième jour, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Pour cela, à partir d'aujourd'hui, je me confie à lui que je vais le servir tous les jours de ma vie. Amen. Amen. Baissez maintenant vos mains. Fermez vos yeux, je vais prier pour vous. Père, je prie maintenant pour ceux-ci
Ils viennent de promettre te servir ou t'adorer. Ainsi soit-il dans leur vie. Pardonne-les leurs péchés. Et écris leur nom dans le livre de vie. Les fardeaux de tout genre qu'ils portent avant de venir ici. Jésus, ôte leur fardeau. Amen. Amen. Regardez-moi maintenant. Vous serez tout de suite enregistré de ce côté. Par ici. Après vous avoir enregistré, on va vous remettre les livrets de nouveaux convertis. Alors, si vous êtes instruit, vous pouvez lire le contenu du livret d'un nouveau converti. Si vous n'êtes pas instruit, ce n'est pas encore un problème. Arrivez chez vous dans votre localité de provenance. S'il y a l'église, Jésus est la solution là-bas. Approchez-vous des pasteurs ou des missionnaires de l'église, Jésus est la solution. Présentez-les, les livrets des nouveaux convertis, comme quoi vous avez reçu Jésus-Christ au camp ici. Amen. Amen. Jésus est la solution. Alors, au cas où il n'y a pas l'église, Jésus est la solution dans votre localité de provenance, y compris les pays occidentaux et de l'Afrique. Choisissez de bonnes églises charismatiques ou pentecôtistes et présentez-vous aux leaders charismatiques qui sont là, que vous avez reçu Christ Jésus ici dans ce camp. Que Dieu vous bénisse. Dirigez-vous de ce côté afin de vous faire enregistrer. Peuple de Dieu, acclamez fortement Jésus pour ces grands nombres d'âmes converties. Oh, amen. Amen. Nous sommes en train d'acheminer vers la fin de la prière de ce soir. Ici, dans ce camp, voici la suite du programme de la semaine. Demain soir, à partir de 16h déjà, la prière aura lieu ici. Et le dimanche matin à partir de 8h.